Allô, allô papa. Allô Athéna, coucou Calice, ça va les filles? Oui. Oui, alors aujourd'hui, youpi, il fait beau, il fait chaud, on a envie de se baigner. Alors on va improviser une petite vidéo très estivale, on va faire le cap en piscine. Là nous avons une petite piscine, un bassin avec plein de trucs gonflables. Athéna, cap ou pas cap de sauter dans le pneu? Est-ce que t'es cap ou pas cap de sauter dans la bouée? Je te tiens. Et moi je tiens la bouée. 1, 2, 3. Oui! Bon, c'était le premier défi. Hein. Oh, elle avait un petit peu peur. Bravo, Athéna! Ok, maintenant c'est à ton tour de trouver un défi pour Calice. Cap ou pas cap de faire du rodéo sur le dauphin? Ouais! Et toi, tu essaies de la faire tomber, Athéna. Il faut, non, qu'elle... Il faut qu'elle tienne plus que 10 secondes, d'accord? Attention, 3, 2, 1, c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Cap ou pas cap de jouer à la tempête? Son défi, c'est de résister. 3, 2, 1, c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo, Athéna! Alors Calice, je vais te lancer un défi. Est-ce que tu es capable de glisser justement, voilà, sur la bâche noire qu'il y a derrière? Oui, mais s'il y a de l'eau dessus. Bien sûr, on va mettre un petit peu d'eau. Ça y est, il y a de l'eau sur la bâche noire. Donc à toi de jouer Calice, tu prends ton élan. Je prends ça. Comme tu veux. Si tu n'arrives pas dans l'eau, le défi est perdu. Attention Athéna, pousse-toi parce que sinon elle va arriver, elle va te faire tomber. Voilà. Ouais. J'ai réussi. Bravo Calice. Parce qu'il y a le petit bord de la piscine qui fait mal aux fesses à l'arrivée. Ça, c'est le double effet qui se coule. Hé, hey, Athéna, cap ou pas cap de mettre ta tête sous l'eau? Ah, je pensais pas qu'elle le ferait. Ah, t'as même pas mis le visage. T'as pas... Non, t'as pas fait vraiment, là. Allez, plus que ça. Le visage ou les cheveux, comme tu veux. Oh, mais... Athéna? Non, mais pas juste. Allez, moi, je le fais, hein. Comme ça, regarde. Je sais que t'aimes pas, c'est pour ça que c'est un défi. Donc t'es pas cap, mon cœur. C'est comme les tirs au but, c'est comme les pénaux. Donc pour l'instant, eh bien, ce défi-là n'est pas validé. Donc je vais en donner un à Calice un peu plus dur. Calice, cap ou pas cap de faire du vélo dans la piscine? Bah, y a pas de vélo, donc. D'accord. Qu'un que ça ne tienne. Et voilà. Il est où? Il est où le vélo? Il est où? Il faut que tu avances, hein, c'est pas juste monter dessus. Allez, je veux que tu fasses un tour de piscine avec le vélo, avec les orbises. Allez, hey, allez, fais-moi un tour complet. Attention Athéna, mets-toi au milieu Athéna. Allez. Ça avance pas ce truc. C'est parti pour le premier tour, attention. Alors c'est dur ou pas dur? C'est pas... C'est pas facile quand même. Hein. Oh, regarde, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a tellement d'orbises, des centaines de milliers, que du coup, déjà marcher, c'est pas évident. Alors pédaler avec tous les obstacles qu'il y a au travers du chemin. Il y a même une frite qui va se prendre dans les rayons. C'est ça qui est bien avec ce genre de défi, c'est qu'on fait n'importe quoi, on improvise, voilà. C'est rigolo, on s'amuse, il fait chaud. Alors, attention, oui, bravo. Eh, cap, hein, je pensais pas que t'allais le faire, honnêtement. Bravo Calice, hein, elle est capable de tout. Ok, très bien, c'est le dernier défi. Donc on va donner un pas trop dur à Athéna pour qu'il y ait encore du suspense. Athéna, quoi? Cap ou pas, pas cap, cap de monter sur le dauphin. Si tu veux, Calice, ça va te tenir le dauphin et toi, tu essayes de monter, d'accord? Okay. Est-ce qu'Athéna va réussir? Attention. Le suspense est en... Oui! Et en plus, ça t'a à peine aidé, Calice. Hein. Alors là, il y a 4 partout. Si Calice relève le défi qui vient, elle gagne. Sinon, il y a égalité. Cap ou pas cap de rester 30 secondes sous l'eau sans respirer? Impossible. C'est 30 beaucoup. 30 secondes, c'est long. Hein. Non, 20. 20 secondes? C'est quoi ton record? Je sais pas, j'ai pas tenté. Ouais, 20 secondes, c'est long aussi. Allez, on fait 20 secondes? C'est bon. Ok, quand tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hey, même 30, tu l'aurais fait. Même 30, tu l'aurais fait. 31 secondes. Bravo, Calice. J'en peux plus. T'as fait 30. Waouh. C'est pas mal, hein. Bravo. Calice a gagné ce cap ou pas cap en piscine. Vous aussi, les petits copains, si vous avez une piscine ou n'importe quoi, eh bien, faites des cap ou pas cap entre vous. Voilà, pendant les vacances, pendant les week-ends, pendant les mercredis. Amusez-vous pendant l'école, en classe, cap ou pas cap de jeter une boulette de papier mâché à la maîtresse dans son dos. Bah dites-le nous en commentaire. Eh bien voilà les filles, il est temps de se quitter et de se retrouver demain pour une prochaine vidéo. Ok, mais avant cela, quoi, toi aussi tu dois faire un défi. Oh, ah bon? Oui. C'est pas prévu ça. Et c'est quoi mon défi, vas-y? Non mais tu sais qu'il y en a presque 1 million. Je sais. Parce que j'en ai pour plusieurs heures. D'accord. Ok, d'accord. Vous avez m'aidé un petit peu ou pas? Non, c'est ton défi. Ah bah ça t'arrange bien, tiens. Bon ok, alors cap. Je sais pas si je vais filmer parce qu'il y en a pour plusieurs heures. Mais bien sûr je vous dirai ça à l'arrivée, après le générique, si ça a marché, s'il y a encore des orbites dans la piscine. Ok, je relève le défi, nous on se retrouve bien sûr demain pour une prochaine vidéo. Laissez des petits commentaires, des petits pouces bleus, partagez, commentez et abonnez-vous. Et surtout, vivez vos rêves. Moi, je vais vivre mon rêve de ramasser toutes ces billes orbites de la piscine. J'adore ça. Je vais kiffer. Alors, kiffez la vie. J'ai une idée. Oui, Athéna. De nager sous l'eau en 10 ans. De nager sous l'eau pendant 10 ans. Et heureusement que tu n'avais pas des idées avant. Hein. Ouf. Ça sera pour le prochain épisode de Cap ou pas Cap, nager sous l'eau pendant 10 ans. Ok, allez, bisous à demain. Ciao, ciao. Ciao. Ah bon, okay. Et voilà, je suis Cap. J'en fais des petits sacs d'orbises. Voilà, je vais essayer de pas tomber dans l'eau. Les sacs pour le tour de la piscine. Et j'ai ramassé tous les orbises avec ces deux petites épuisettes. Il y en a encore pas mal. Voilà, je pense que j'ai fait la moitié en gros, parce qu'après il faudra vider bien sûr tous les sacs. J'ai pas fini. Allez, je continue. Et voilà, il en reste vraiment très 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 peu. Allez, peut-être une centaine. Sur les centaines de milliers. Défi relevé. Allez, à demain. Ciao.